Ah. C'est ce qui fâche. Je vous rappelle que nous avons pris un pari. Si vous faites tous les trois plus de 10 points, je mets la musique de la Reine des Neiges. Vous l'avez accepté. Non, je mets la musique de la Reine des Neiges. Oui, on l'a accepté. Hein. Oui. Je mets la musique de la Reine des Neiges en téléphone, sonnerie de téléphone, pardon, pendant 6 mois. Si l'un de vous trois, ou même plusieurs d'entre vous, fait moins de 5, cette personne-là, ou ces personnes-là, devront la mettre pendant 1 mois. C'est pas mal. Ah, tu vas voir qui va corser les quiz, on va tous faire 3. Non, j'ai même pas prévu ce truc-là, je l'ai improvisé. Les thèmes du jour sont sport, histoire et science. Tout d'abord, le classement, pendant que vous réfléchissez à ce que vous voulez. Romain, tu es 6e, avec 9 points en cas de participation, et tu es donc éligible au bonus. Et ton moins bon score pour l'instant, c'est ton 6. Donc un 6 qui va sauter, ou moins si tu fais moins, ce que je ne te souhaite pas. Reste plutôt dans la lignée de ton score de la semaine dernière, qui était très bon. Au contraire de ceux de Julien et de Nicolas, qui est à 8 points en 5 participations. Nicolas, tu as fait sauter ton score avec ton 6 de la semaine dernière, et donc il faut que tu remontes sans le bonus. Amélie, tu es aussi éligible au bonus, c'est ta 5e participation. Tu es à 8,5 et ton moins bon score, c'est aussi un 6, le même jour que Romain d'ailleurs, c'est marrant. Donc on te souhaite de faire plus de 6 points et de remontada le classement, comme on dit. Romain, quel thème choisis-tu ? Sport, histoire ou science ? Je vais prendre science. Science. Amélie, histoire ou sport ? Histoire. Nicolas, sport ou sport ? Sport. Oui. Est-ce que tu aurais pris sport ? Oui. Oui, je pense aussi. Sport, Julien a fait 8, Marc a fait 10. Histoire, Julien a fait 10, Gigi a fait 3. Science, Flo a fait 9 et Nicolas a fait 9. C'est ce qu'on appelle l'historique. J'aurais quand même préféré science. Ben, tu auras histoire. C'est ce que j'avais demandé, tu vois. Ben non, mais c'est bon, vous n'avez pas voulu chier le cul à chaque émission. Non, mais je voulais juste demander pour savoir si elle aurait préféré science. Ah, pardon. J'aurais préféré science. Ben, tu auras histoire. Oui, c'est bon, j'ai compris. Je suis vraiment une bille. Même si... La place de la femme, c'est à la cuisine. La journée de la femme, c'était avant-hier. Hein, donc... Ouais, ils sont très, très forts, les jingles. Non, ils sont pas plus forts que d'habitude. J'ai perdu 2 points d'audition. Ah, bon, ben celui-là... C'est celui-là qui est en particulier fort, je pense. Parce que ceux de tout à l'heure, ça allait. Il y a cette fameuse boutade que l'on trouve en ce moment sur Internet où il y a un dessin et l'homme qui dit, l'homme qui dit à sa femme, laisse la vaisselle, tu la feras demain. la journée de la femme. C'est bon. Merci Nicolas. Romain, numéro entre 1 et 20. 8. Les autres, vous pouvez déjà réfléchir au numéro que vous prendrez, même si Amélie le sait déjà. Nicolas, je crois aussi. Oui. Pas forcément. D'accord. Romain, à la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt ? Prêt. Dans le corps humain, où se situe le fémur ? Passe. Dans la jambe, combien font 12 x 3 ? 36. Bonne réponse. Quelle distance représente une unité astronomique ? Passe. Terre-Soleil, vrai ou faux, toutes les espèces vivantes sur Terre possèdent de l'ADN. Vrai. Bonne réponse, où se situe la clavicule ? L'épaule. Bonne réponse, la Terre est constituée à 50 ou 70% d'eau ? 70. Bonne réponse, si je roule à 15 km/h, en combien de temps ferais-je 30 km ? Passe. 2 heures, quel nom porte la plus petite partie d'une image numérique ? Un pixel. Bonne réponse, vrai ou faux, toutes les espèces vivantes sur Terre possèdent de l'ADN. J'ai déjà dit cette question. Comment appelle-t-on la distance... Non, putain, mais il m'a remis les mêmes questions. Qui regroupe plusieurs unités de l'autre, la molécule ou l'atome ? La molécule. Bonne réponse. Quelle profession est concernée par le serment d'Hippocrate ? Le médecin. Bonne réponse. Je rajoute 2 questions. Comment s'appelle un triangle avec un angle droit ? Isocèle. Triangle rectangle. Vrai ou faux, le rhumatologue soigne les rhumes ? Faux. Bonne réponse. Oui, je sais pas, il y a eu un bug dans mon truc. Je te hais, Romain, mais alors tellement... Pourquoi ? J'aurais fait 12. Ah bah oui. En comptant pas les questions que j'ai remis. J'aurais fait 2, Amélie. Non, en comptant pas. J'ai bien compté vraiment les posées et... Tu coupes là, c'est bizarre. Ah bon ? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir entendu que la moitié de ta phrase.
Ah bah pourtant, je vais pas bouger, je suis sur mon canapé, bon, je bouge pas depuis tout à l'heure. Sexy. Ouais, vachement, en pyjama avec mon bol de chocolat chaud. Putain, nickel, hein. Mémère Mélie, qui n'est pas sortie chez elle depuis 1942. Bah si, je suis allée travailler aujourd'hui. Ah, ça y est ? Bah oui, j'ai le droit de ressortir à partir de d'aujourd'hui. Pauvres enfants. Ben, c'est pauvre de moi, surtout, j'ai fait cantine études, demain je fais pareil, demain je fais pareil et en plus conseil d'école. Et tu chantes Libéré, délivré. Ouais, à la fin, à 8h demain soir, je chante Libéré, délivré, dis je donne un cours. C'est vrai que c'est nickel. Le week-end. Amélie. Oui. 11. Oui. À la fin de ma première question, le chrono commencera pour ce quiz histoire, es-tu prête ? Je suis prête. Donc, alors... Quel paquebot jumeau de l'Olympique fit naufrage en 1912 ? Titanic. Bonne réponse. Quel était le prénom de Staline ? Joseph. Bonne réponse. Vrai ou faux, le thème Blitzkrieg, tactique de guerre employée durant la Seconde Guerre mondiale, veut dire guerre éclair ? Oui, ouais. Bonne réponse. Quel était le prénom du fameux Dreyfus de l'affaire éponyme ? Alfred. Bonne réponse. Quel pionnière du féminisme était la compagne de Jean-Paul Sartre ? Je sais plus. Simone de Beauvoir, quel était le surnom du roi Richard Ier d'Angleterre ? Richard Cœur de Lion. Bonne réponse. D'Austerlitz ou Waterloo, quelle bataille fut perdue par Napoléon Bonaparte ? Waterloo. Bonne réponse. Vrai ou faux, Franklin Roosevelt était président des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale ? Vrai. Bonne réponse. Qui était du temps des Romains l'équivalent du dieu grec Zeus ? Je passe. Jupiter, quelle cathédrale est le siège de l'évêque de Paris ? Passe. Notre-Dame de Paris. Dans la mythologie égyptienne, qui était la sœur d'Osiris ? Isis ? Bonne réponse. Le roi Louis VI était-il surnommé le maigre ou le gros ? Le gros. Bonne réponse. Je fais 8. Chier. J'aurais fait 11. Même pas. Notre-Dame de Paris, quoi. Oui, ça, sérieux, tu t'es loupé. Mais pourquoi ? Et c'est bien, tu sais même pas compter ton score. Oui. Et Jupiter ? Pourquoi Jupiter ? Je l'ai pas eu ? Non, mais... Ah oui, non, j'étais un peu déçu par toi, Amélie. C'est... Oui, bah, ça, j'ai la pression sur les 5 réponses. Là. C'est la vieillesse. Non, mais c'est juste que ça m'est pas revenu alors que je le sais en plus. En temps normal, j'aurais dit sans aucun souci. Hein. Bah, tu l'as dit avec souci. Mais oui, c'est chiant. C'est le jeu. C'est pas de la nourriture asiatique. Oui, madame. Je suis pas contente. Bah, ça n'est moi non plus. Enfin, un peu... Bon, la prochaine si, si. Fois. Non, allez, je rigole. Un peu... Romain, est-ce qu'on peut inverser, s'il te plaît ? Je suis plus content que la semaine dernière où les deux, ils ont... surtout Julien, a fait de la merde. Julien, c'était pas brillant la semaine dernière. Ah bah écoute, hein. Il peut pas être brillant tout le temps. Hein. Non. Julien, double tenant du titre, on le rappelle. Au contraire de Nicolas. Oui, oh bah zéro. Zéro tenant du titre. Qui va passer à la casserole. Un numéro entre 1 et 20, cher ami. 4, comme d'habitude. Non, pas du tout. La semaine dernière, c'était 9 et la semaine d'avant, c'était 3, mais c'est pas grave. Non, c'était 4 il y a 2 semaines. Ah bon ? Oui, 9, 4, 3. Tu notes aussi les numéros qu'on te donne. Oui, parce que ça me permet en fait de retrouver. C'est pour ça que je vous les demande, ça me permet de retrouver les questions que je vous ai posées. Sans avoir à écouter les émissions. Ce soir, il a noté 3 comme 3 pastis. Parce que les questions que je ne pose pas. Je les remets la prochaine. Eh oui, c'est logique, sinon ça me fait trop de travail. Déjà qu'il y a beaucoup de travail pour préparer cette émission. On a rien. Mais je sais, non, mais j'explique. Pour les auditeurs, c'est intéressant. Oui, science, la fin de... Comme les auditeurs, c'est nous et qu'on le sait déjà. À la fin de ma première question, Nicolas, le chrono commencera pour... Science. Mais non, sport. Sport, pardon. Sport, oui. Oui, es-tu prêt ? Sinon, on va encore avoir les mêmes questions que Romain. Je crois que ce soir, papy, il n'est pas avec nous. Ça t'aurait arrangé. On a donné les réponses avant. Ouais, mais je suis pas sûr de m'en souvenir. Bref, passons, je suis prêt. Combien de temps dure une mi-temps au rugby ? 40 minutes. Bonne réponse. En compétition, quel est le nom officiel du ping-pong ? Le tennis de table. Bonne réponse. Split, spare ou strike, vous pouvez-vous entendre ces termes ? Bowling. Bonne réponse. Vrai ou faux, au snowboard, on met le pied gauche en avant quand on est goofy ? Vrai. Faux. Dans quel sport l'Europe affronte-t-elle les États-Unis lors de la Ryder Cup ? En golf. Bonne réponse. Que signifie le sigle GRS ? Gymnastique, rythmique, c'est de la gymnastique, rythmique et statistique. Sportive. Qui est l'actuel sélectionneur du 15 de France ? Passe, j'aurais pas. Fabien Galthié. Quel type de course à pied est long de plus de 42 km ?
C'est le marathon. Bonne réponse. Vrai ou faux, la Coupe du Monde de football en 2022 aura lieu en France? Non, au Qatar. Bonne réponse. Dans quel sport balaye-t-on la glace pour faire avancer une pierre? Le curling. Bonne réponse. Dans quelle discipline sportive dispute-t-on chaque année le prix de l'Arc de Triomphe? L'Arc de Triomphe, c'est de l'équitation. Bonne réponse. C'est, oui, où s'est déroulée la dernière Coupe du Monde de football? La dernière Coupe du Monde de football en Russie. Excellente réponse. Je crois qu'on s'arrête là. Ah bon, déjà? C'était pas tout à fait fini. Allez, je t'en donne une dernière. Quel footballeur argentin surnomme-t-on la poule, gars? Messi. Bonne réponse. Est-ce oui, qu'on Galtier, peut... Galtier. Est-ce qu'on peut revenir sur la gymnastique rythmique et statistique? Ça, c'est du niveau du dromadaire. J'aimerais vraiment voir ce sport. J'ai adoré. Et je dois... Alors là, du coup, je me déplace de 0,2. Tu sais que j'ai dû me mute parce que tu m'as fait éclater de rire quand même. Autant. Comment vous dire? Autant, ouais. C'est quand même cool d'avoir le mot rythmique et de pas avoir le mot sportif. Ah oui, surtout que c'est le thème. Surtout que c'est le thème, quoi. Mais tout va bien. Non, mais moi, je rigole parce que ça me fait rire. Mais je dois rester sérieux en vous posant les questions. Sauf quand Julien fait n'importe quoi, je me suis permis de rire. Mais là. Alors là, par contre, j'étais parti en roue libre. Oui, oui, c'était en roue libre. Du coup, moi, j'étais en roue libre aussi. Mais là, j'étais obligé de rester sérieux. Et va rester sérieux quand il y a quelqu'un qui te parle de gymnastique rythmique et statistique. C'était beau. Enfin, de manière plus. C'est ça quand tu veux qu'on aille dans Serge à ta gloire ou. À Nicolas, oui, vous pouvez. On va faire les disciplines sportives méconnues, hein, dorénavant. Ouais. Et je vous prouverai que la gymnastique rythmique statistique existe. Ah, ma roulade a fait 42 alors, degrés. Trouve quelque chose, mais putain, ouf, tu nous as fait rire en tout cas. Oui, ça, à mon avis, ça finira en poule d'or. Non, Romain. Bon, Fabien Galtier, ça fait deux fois cette semaine que je le zappe, c'est dommage. C'est vrai, pourquoi? Pourquoi ça fait deux fois que tu le zappes? Ben, parce que j'ai eu une discussion et que je cherchais son nom, et c'est pour ça que dès que t'as posé la question, je me suis dit, vaut mieux que je passe, parce que je m'en souviendrai pas, parce que j'ai déjà galéré cette semaine sans aucun stress à trouver son nom. Donc, forcément, je me suis dit qu'avec le stress, c'était pas la peine. Et tu as bien fait. Enfin, le stress. T'as cherché le garçon, t'as pas trouvé son nom, bon, ben voilà. Oh, merci. Voilà. Un peu comme la GRS. C'est beau. Romain, félicitations. Heureusement qu'on a Romain dans cette émission. Les statistiques. Alors, les scores, est-ce que vous les voulez? Mais enfin, déjà, j'ai fait plus de 5. J'ai fait plus de 5, je suis content, j'aurais pas à mettre cette sonnerie sur mon téléphone. Ah, c'est toi qui vas mettre la sonnerie, Flo. Je sens que Florent va y passer. Si vous faites tous plus de 10. Quoi? Ah merde. Mais si. Ouais, c'est ça, plus de 10. Allez. Mais je crois que j'ai tenu le challenge, moi, mais pas mes confrères. Ah! 9, 10 et 8. Oh, merde. Donc oui, Nicolas, t'as réussi, mais il fallait que tout le monde réussisse, sinon je t'aurais pas posé la dernière question. Oh non, mais non. Quoi, bah non? Non, bah c'est pas possible, ça. De quoi? Fais chier, parce qu'on voulait te voir avec Libéré Délivré. Bah oui, mais vous aviez qu'à faire 10. Ah oui, c'était facile. Romain, il s'est trompé sur 4 questions et Amélie sur 3. C'était faisable. Oui. C'est vrai, je me suis trompé sur des questions à la con en plus. Exactement, donc c'était faisable, donc personne ne met la sonnerie, voilà, c'est comme ça. Ah bon, ok. Oui. Putain, j'ai eu peur. Mais non. Le classement. Il y a du changement, Romain, c'est la Romain Tada, bah oui, puisqu'il passe 4e. Romain, tu étais 6e. Amélie, tu passes 6e ex aequo avec Julien, qui donc perd une place. Oh. Nicolas, tu remontes bien, mais tu restes 8e. Promis, Flo, je l'ai toujours pas cuisiné. Hein. Flo passe toujours 5e. Ah, quoique, je vais peut-être envisager ça pour pouvoir lui passer devant. Ah, bah oui. Bah, cuisiner Julien. Oui, bah là, il suffit que tu fasses mieux que lui et son prochain passage et tiens, donc c'est pas compliqué. Tu cuisines plutôt quoi, l'aile ou la cuisse de Julien? C'est vachement moins marrant. La cuisse, je préfère, c'est un morceau. Et il y a de quoi manger en plus sur Julien, hein, parce que le sport, ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Moi, je préfère déguster son foie avec des fèves au beurre. C'est gentil. Je savais que t'allais dire ça, je te connais tellement. C'est dingue, on est comme des vieux couples, en fait. C'est très chelou. Bah écoute, hein. Allez, on passe. Merci en tout cas, vos performances étaient bonnes. Je vous félicite. Ouais. Merci. Ben, tout le monde prend des points. Donc, compliment, il est tellement rare que... Non, mais vous prenez tous... Moi, je...
Je remercie, pour une fois j'ai eu le thème qui m'allait bien, donc oui. Ça me va. Non mais tout le monde a récupéré des points dans le classement, donc je suis plutôt fier de vous.